La rentrée des classes 2016-2017, fixée au 31 octobre 2016 au Gabon, s'annonce difficile pour les ménages à revenus modestes qui se trouvent en ce temps de crise économique en difficulté financière. À quelques jours du démarrage effectif des cours, le marché des fournitures scolaires bat son plein, mais la fréquentation est mitigée. L'ambiance est la même aussi bien dans les grandes surfaces commerciales qu'ici à l'ancienne gare routière de Libreville, où le marchandage demeure la règle établie. Bon, l'ambiance est encore morose en ce moment. Bon, vous savez, plus nous avons les fonctionnaires ici, on espère que bon, d'ici le 30, les parents vont s'embarquer tellement ici chez nous. La crise pétrolière en ce moment, un peu partout, surtout que le Gabon c'est un pays producteur de pétrole, mais à notre niveau, nous avons pensé à ce problème-là et nous avons vu les prix à la baisse. Donc tous les parents à tous les niveaux peuvent trouver leur compte chez nous. Chez nous, les prix varient de 2500 pour les primaires jusqu'à 4200 francs. Si la réalité diffère d'un parent à un autre ou d'une famille à une autre au Gabon, il n'en demeure pas moins que tous les parents s'accordent à scolariser leurs enfants dans un pays où l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Pas facile hein, pour nous les chômeurs. Vous voyez, là je suis venu seulement prendre les prix, je suis à presque à 150 000 francs, rien que les prix. Et pour un chômeur comme moi, c'est beaucoup. J'ai 4 enfants. Je suis obligé de les prendre chacun au moins un livre, deux livres ou trois. Et plus les cahiers, ils vont d'abord se débrouiller comme ça en attendant. Je suis venu faire préparer la rentrée de mes enfants. On se bat, on fait avec le peu qu'on a. Oui, mes fournitures scolaires sont déjà prêtes. Oui. Puisque j'ai à payer la moitié, il ne manque que quelques petites choses. Selon les libraires, les prix des manuels scolaires ont été revus à la baisse à hauteur de 5 et 10%. Un point de vue réfuté par les parents d'élèves. Pour rappel, l'administration élabore actuellement les emplois du temps et autres formalités administratives pour une rentrée effective des classes dans les établissements publics le 31 octobre 2016 sur l'étendue du territoire national.